Il y a quand même quelques centaines et franchement ça me soutient énormément. Fares avec ses vidéos de gamer. Comment ça s'appelle déjà Jean-Fils. On prend la turbine et on est parti directement dans la zone. Ok. Parce que la zone est assez loin. Oh, hi. Elle est très très loin. Hello. On prend la capsule juste ici. Ça va les enfants? Oui, c'est parfait. En plus ça donne un peu de temps. Vous allez prendre votre petit déj. Ok, let's go. Magnifique. Il y a de quoi. Il y a... Là il y a un NPC qui leur parle. Donc pourquoi pas une arme légendaire, mec? Il y a, de, y a quoi de bon pour le petit déj? Il y a des céréales. Il y a des pancakes, il y a du Nutella. Il m'a pas vu là. Il m'a volé en quête. C'était mon kiff. Attention les dégâts tués. Ah oui, du jus d'orange. Il m'a pas vu, il était au moins un ami. La confiture. Ben non, c'est pas la confiture. Attention, il y a un petit canard juste ici. Oh, c'est bon, j'ai pensé. La compote. Merci, la confiture. De la confiture. Donc toi t'es l'adepte de quoi? Le gars il a eu le score. T'es adepte de quoi? Mais wesh. Non. Tu mets le lait avant le les céréales ou les céréales avant le lait? Les céréales avant le lait. D'accord. Donc aujourd'hui on est quel jour? On est mercredi. Ok. Vous allez faire quoi de beau? On va donner les. On va voir si on y va aujourd'hui ou demain. Ouais. Ok. Je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit. T'as allé chercher les cuirs, t'en avais oublié. Cool. Ouais, je te dis, pour les chèvres, on va voir si on y va ou si on ira demain. On verra bien. Moi, je dis que c'est plus bien aujourd'hui parce que demain, on a des devoirs. Ouais, mais les devoirs, ils vont pas... Ça va pas durer la journée. Enfin, quoique... Quoique... Moi, ça doit durer toute la journée. Ouais, bon, c'est sûr. Moi, non. Absolument pas. Là, en dessous, là, en dessous. Vas-y, hop, hop. Vas-y, cool. Vas-y. On charge. On a quoi de beau ici? Un poisson qu'on va manger directement. C'est magnifique. Léna, tu penses à quoi? T'as bien dormi? Les abonnés peuvent le récupérer. Mmh. Oh, recharge. Hier, t'as joué à Roblox. Faire lire parce que la zone, on n'a pas la zone. J'ai regardé les voitures là, et même la première. C'est laser, c'est sur quoi? Brokeven. C'est quoi Brokeven? C'est un jeu de Roblox. La nouvelle voiture met en premier, mais elle est trop. Mais ça consiste en quoi? Ça consiste de faire comme si t'étais. Ça consiste à. Ça consiste à comme si t'étais dans une vraie ville. Une vraie ville et t'as la plage, t'as tout. Ah, d'accord. Tu peux même mettre une maison à la plage. Une maison à la plage? Ouais, moi j'ai mis à la plage. Et y a des c'est des personnages ou c'est quoi? Oui. Des personnages. C'est comme si tu vivais ta propre journée. Ah, tu te mets à la place des personnages en fait. C'est toi le personnage. Oui. D'accord. Ouais, tu crées ton personnage, tu t'habilles. Tu crées ton personnage, d'accord. Ouais. Mais moi, j'aime pas trop le mettre. T'aimes pas quoi? J'aime pas trop mettre mon personnage, j'aime pas quand tu te fais un personnage. Quand tu crées un personnage, bah c'est bien, après tu te sers de ton imagination. Ouais, et tu fais des cheveux, tu peux même, si tu vas au coiffeur, tu peux te colorer les cheveux, mais c'est dur pour un scorer. Oui, dans la vraie vie, non, tu peux pas le faire, mais... Non. Ouais. Mais bon, c'est sympa, c'est... C'est à la place du perso. Tu as mangé quoi? Du Nutella. Des pancakes. Et toi, t'as joué à quoi? Roblox, il y a pas. Toi aussi, tu joues à Roblox? Oui. Ah oui, c'est vrai, ça faisait longtemps aussi que t'avais pas joué. C'est pour jouer avec Léna. Ah, d'accord. Il s'est acheté une maison dans les 2000. Ouais, coupe 2000. Ouais, elle coupe 2000. Mmh. Moi, j'ai pas acheté de maison. J'ai encore. Et c'est quoi la monnaie? C'est quoi le nom de la monnaie sur Roblox?
Je sais pas. C'est toi qui t'achètes comme ça, t'achètes. Ça s'appelle des euros, ça s'appelle des francs. Je pense que c'est des euros. Des euros, t'es sûr? Ouais. C'est pas les Rubux? C'est pas les Rubux? Non, c'est pas des Rubux. Non, ça dépend. Rubux ou Rubux? Si, Rubux. Ça dépend si t'achètes pour avoir plus d'argent. Ouais. Mmh. Moi, j'ai une cagnotte. Très bien compris, on regarde tout à l'heure. Dans la cagnotte, j'ai dans les 2000, dans les 100 ou dans les 300. Moi, il me reste même. 2300. Il me reste un petit peu. 2300 Rubux ? De quoi là ? 3200. Moi, j'y comprends rien, mais moi, je ne comprends pas de grand chose. Hein. C'est sur un jeu qui s'appelle Anatomie. Ah, d'accord. Bon. On verra ça tout à l'heure, je regarderai avec toi. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Action. Donc Farès et Léna vont vous faire un petit haul action avec des produits, bon, on va dire plus de produits alimentaires que d'autres choses. Beaucoup de choses sucrées, beaucoup de choses salées. Alors donc, on a pris un kit de pâte à modeler. Ouais, kit de pâte à modeler qu'on va utiliser pour faire. On va faire un petit jeu bientôt ensemble. Ok, quoi d'autre? Ça c'est Farès. Des bonbons pizza. Ouais, tu peux ouvrir pour voir. C'est comme ça. Ça se présente comme ça. Ok. Il y a quoi dedans? C'est que des sucreries quoi. Oui. Ok, cool. En plus, là, il y a une pizza. Il y a des pizzas. Oui. Ah, il y a des mini pizzas dans la pizza. Oui. Cool. C'est un petit peu chelou. Quoi d'autre? On a pris des fruits. Ouais, des chips. Chips goût barbecue. Barbecue, ça c'est les chips préférés de Farès. Ce qui est aussi bien. Et en plus, on peut mettre dans un pot. On fait comme ça, il y a pas de. Ah, yes. Je vais vous montrer. Mais ça, c'est d'accord. Sur les Doritos. Avec les Doritos ouais. Ah oui. Je vois avec de sauce un peu pimentée ou de la sauce. Oui, c'est ça. Ah ouais, pas mal. Ouais. Mais ça, c'est pour Doritos, hein. C'est pas pour les. Bah, c'est peu importe. Hein. Ouais, peu importe. Tu peux l'utiliser pour ce que tu veux. Alors. Celui-là, il a déjà été entamé. C'est quoi? C'est. Tu vois? Je vois pas bien. C'est les boissons énergisantes. Ouais. Bah, normalement, t'as pas trop le droit de boire ça. Ouais. Mais bon. Ça a quoi? C'est. Tu veux voir? Fais voir. Ah, fruit du dragon. Ok. Ah, c'est un fruit. Un fruit exotique. Ça en plus, c'est bon. Mais oui, c'est très bon. C'est très bon. C'est moi qui l'ai vu en fait. Le plus, ouais. Mais ouais, t'as goûté. C'est bon, les Twix, ça c'est. Des Twix, c'est un incontournable, on va dire. Ok. Quoi d'autre? Ah, ça, c'est des petits. Ouais, des c'est petits quoi? Chocolats. Des gâteaux. C'est des cupcakes. C'est écrit dessus. Chocolate. Chocolate flavoring. C'est en anglais. Ouais. Au chocolat. Déjà. Bah, ouvre-le un coup pour voir comment c'est. Vas-y. Bon. Oui. Ouais. Prends-en un. À quoi ça ressemble? Ah, c'est individuel et il y en a combien dedans? Un seul. Un seul, je pense. Ah, c'est pas mal. Et il y en a combien dedans? Dedans? Ah, il doit en avoir beaucoup. Compte-les, bah compte-les. Ouais. Sinon. Ouais. 5, c'est vrai? T'es sûr? Oui. Ça m'étonne qu'il n'y en ait que 5. Tu vois? Oui. 2, 4, 5. Il y en a 2. Il y en a pas. La souris, elle est pas passée par là par hasard? Non. Ça m'étonne que ce soit un nombre impair. Bon, bah, ok. Vas-y. J'aurais cru qu'il y aurait 6. Ouais. Moins 6, ouais. Ouais mais... Bon, peu importe. Vas-y, Léna. Ah, ça, non. On l'avait acheté dans une boutique, dans un magasin. Ouais, c'est des petits bâtonnets. Apéritif au grain de sésame, c'est ça? Ouais, d'accord. Quoi d'autre? On a
Bon, ça c'est ouais. On en trouve ça, un peu ça, partout. C'est trop bien. Nutella Be Ready, ok. Non, Be Ready. Be Ready, excuse-moi. No. Je n'ai pas l'accent. Milka. Choco Trio, Milka. D'accord. Milka. Il y a aussi des sneakers. Ouais, des petits sneakers. Il y en a trois. Ouais. On en fait des sneakers. Ouais. D'accord, ça a quoi? C'est au crispy. Crisp. C'est au blé soufflé. Hein. Oui. Ouais, au blé soufflé, d'accord. On a ça. C'est des barres. Ah oui, c'était pour moi. Les barres allemandes. D'accord, c'est aux amandes. Ok. Quoi d'autre? On a aussi. Ouais. Mais dis. Ok. C'est des cacahuètes en robot au chocolat. Chocolat, pan, nut, sel. Peanuts. Salted. Salted, ouais, c'est salé, sucré, salé. Enfin. Fais voir tout en tout. Sea salt mixed. Ok. Sea salt mixed. Sel de mer. Hein? Sea salt, ça veut dire sel de mer. Bon, ah, bref. C'est du sel de mer. Non, mais c'est bon, c'est comme le caramel au beurre salé, c'est bon quand même. Ah, ça veut dire malgré que ce soit sucré salé. Ouais, c'est bon. Ça, vous l'avez tilté, ok ouais, c'est les Mister Tom. Oui, okay. C'est bon. Très bon. Il en reste quand? Ah, il en reste quand même. Ah, bon, ça va. Ouais. Cool, Mister Tom, c'est quoi comme. Tu peux expliquer un peu? C'est aux cacahuètes. D'accord. D'accord, ok. On passe au suivant? Oui. Tu vas voir avec l'emballage. Là. Ça c'est chili crackers. Ah. Chili crackers. Des crackers, ouais. Ah ça, ça doit être bon. Mmh. Ouais. C'est des ouais. Craquelins au piment. C'est à base de riz. À base de riz entre autres. Hop. Ok. Il a l'envers un peu. Cashew nuts. C'est une noix de cajou. Salé. Quoi d'autre? On a... Non, ça, on l'avait pas pris à Action. C'est des pois chiches. Pois chiches salés. Ok. On a une barre. Ouais, encore ça. Bar, c'est les barres au gr... C'est... Caramel. Ah non, c'est... ok, je vois. C'est des... Au tournesol. Ah. Graines de tournesol. Ah oui. On a... Ah, wasabi. Yes. Des cacahuètes au wasabi. C'est un peu piquant, ça, par contre. C'est piquant? Ouais. On dirait pas. Tu verras. Goûte, tu vas voir si c'est pas piquant. Si c'est pas piquant, on dirait pas. Vas-y. Peut-être que c'est piquant. Le burger fort. Ça, je sais plus si on l'avait pris. Ah, c'est Master Nut. Non, je pense pas. Je pense pas que ça vienne de... d'Action. Bon, ouais. Bref, c'est des cacahuètes salées aussi. Master Nut. Ouais. Ah, ça, c'est des petits biscuits. Des biscuits... Des cookies, quoi. Cookies, peanuts. Peanuts cookies. Ok? Tu peux le mettre dessus, hein, si tu veux. Hein? Ça, je peux l'enlever. Ah, non, ouais. C'est quoi? Ça, en fait, il y a le même, mais c'est pas le même. Mm-hmm, d'accord. Ouais, ça, c'est sucré salé, ouais. C'est au miel. Mm-hmm. Ouais, il y a du miel et du sel. Et c'est des noix de cajou. On a du pommes. Oh, le pommes. Ah oui, du pommes. C'est très bon, le pommes. Ouais, c'est du, c'est une boisson, c'est un soda à la pomme. Et c'est gazeux, ouais. Soda, quoi. Ça, on retrouve beaucoup dans les pays... Comme le Maroc. Ouais. Ouais, au Maroc, ouais. Ça c'est piquant. Ouais, ça c'est un peu piment, c'est un peu piquant, oui.
C'est tout mais fin, c'est très bon, c'est au maïs. Fin. Non, non. Tu les avais pas goûtés, toi? Pareil, tu les as tiltés. Ah, mais moi, j'ai rien tilté. Goûte. Au revoir. Non, merci. T'aimes bien? Ok, vas-y. Non. Ah oui, ça c'est... Ouais, je sais pas, c'est quelle langue? Oh. Ça, en fait, je sais pas exactement ce que c'est. Fais voir. Je sais, c'est des... C'est quoi? On en mange, mais... c'est des cacahuètes, en fait. Ouais. Vas-y, passe au prochain, je vais te dire ce que c'est. C'est aux cacahuètes, ouais. D'accord. Non. Cacahuètes enrobées épicées. C'est vrai qu'on en mangeait sans trop savoir... On avait celui-là, celui-là. Ouais, c'est la même... Celui-là. C'est pareil, c'est la boisson énergisante. Oui. Mais ça, c'est le même goût. Ah non, c'est pas le même goût. Ça, c'est à quoi le noir? La canette noire, elle a à quoi? Tropical. Ouais. Tropical, oui. Ok, et ben, l'autre, on avait vu que c'était fruit du dragon. Lui, ils sont très beaux, les dessins. Ouais, j'avoue que les canettes, elles sont très belles. On va zoomer un petit peu pour voir. Ouais, les canettes, elles sont belles. Elles sont originales. Ok. On a encore du pomme, ça. Ouais. On a du pomme. Je veux choisir un petit peu parce que j'ai... Bah vas-y, je t'en prie. Du pomme. Ouais, pomme, ouais. Ok. Ça, on l'avait... Oui, ça, on avait vu qu'on avait pris. C'était les pois chiches. C'est tout? Et tu avais pris les bonbons, mais c'était. C'est Haribo. C'était pas Maoam? Non. Mao. Je sais plus. Qui smash, un truc comme ça. Ouais, les choses comme ça, là, même dessus, il y a du sucre et tout. Ouais, dedans, c'est un peu pétillant. Ouais, c'était très bon. Ok, thank you. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. En visionnant un petit peu la vidéo là, on vient de se rendre compte qu'il y avait pas mal de nuisances sonores. Je pense qu'ils sont en train de tondre la pelouse ou... Oui, il y a encore des travaux. Je sais pas si c'est des travaux, ils sont en train d'élaguer des arbres ou je sais pas. Oui. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de bruit. Oui. Bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Oui, on se retrouve bientôt. On se retrouve à... Bah, tout à l'heure, parce que oui, on va faire à manger. Oui, d'accord. On va faire à manger. Bisous. Les amis. Alors, on va faire un gratin. Ouais, vous avez, c'est et vous qui allez préparer le repas. Et une quiche. D'accord, vous avez besoin de quoi? On a besoin de on a besoin d'une pâte brisée. OK. Du saumon. OK. Du saumon. On a besoin de ciboulette. Ouais. Et de poireau. Ouais. Donc c'est une quiche au poireau, quoi. Oui, et des patates. Et ça, c'est plus pour mon père. Ouais. Du piment. Des patates, les patates, vous allez les mettre dans la quiche. Ah non. Ouais. Ah, on va faire ça avec ça. C'était pas prévu qu'on fasse un petit gratin? Oui. Ah oui. Un gratin. Et on va mettre... De la crème fraîche. Ok. Bon, on va éplucher tout ça. On va laver tout ça. Et faites attention. À quoi? À ne pas reproduire chez vous. Ah ouais, carrément, ne pas reproduire. Mais si, avec un adulte, pourquoi pas. Oui, il faut faire attention au couteau, ça c'est sûr. Ok, on va éplucher tout ça et puis on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Moi l'élève et lui le professeur. Oh, Miss Karen, vous êtes à mourir de rire. Bon, à la semaine prochaine. Au revoir, au revoir. C'est bien, ma chérie. Yeah. Après, on va les couper en rondelles. Bah, vous êtes déjà en train de les couper en rondelles. Ouais. T'as vu ça? Il a complètement craqué sur Miss Karen. Oui. Seulement, c'était sa prof de maths. D'ailleurs, on part en maths.
Pourquoi vous me forcez à faire de la trigonométrie? Ça me servira jamais de mettre rien qui m'écoute, ma chérie. Je sais pas trop fin. Mais je suis ta mère et en tant que telle, je dois faire tout pour que. Enfin, Farès, il va sortir. Tu vas sortir, tu vas où? Tu vas jouer avec tes camarades? Oui. D'accord. De toute façon, t'es qu'ici. Tu es juste devant. Oui, c'est ça? Devant. D'accord. Bah, tout à l'heure. Tout à l'heure. Bref, en plus, ici, Nayum n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Ouais, hier, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis levé pourtant à 23h30. Ouais. Salut Léna, tu fais quoi? Et je suis sur un jeu qui s'appelle Gacha Live. Gacha Live. Tu vois? Je sais, c'est mon personnage. C'est ton personnage? Oui. Ok. Tu vois? Je vois pas bien. Oui. Il faut... Ah oui, c'est ça que tu me disais. Ouais, les... Oui. Il y a des accessoires, il y a des coupes de cheveux, il y a des tenues, c'est ça? Oui. Ils ont toujours une grosse tête comme ça? On peut... Tu peux la réduire? Ouais, je pense. Non, un jour j'ai bouffé un truc comme ça, mais je sais pas. Non, on peut. Ouais, je sais pas. Mais sur un jour, on peut. Cool. Mais là, elle est pas gonflée, le truc, là. Oui, je sais. Il est tout dégonflé. Ouais. T'es bien, là? T'es à l'aise? Ouais. T'es plus par terre qu'autre chose. Ouais. Ouais. J'ai sous-titué. Ah, voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Farès, il est allé jouer un peu au ballon avec son copain. Mais là, c'est extrêmement parlant, encore une fois, on va avoir énormément de choses. Le premier élément, malgré tout, étant celui de l'identification formelle, on imagine évidemment que retrouver sur les lieux, je crois que la malheureuse avait des tatouages, ce qui doit bien orienter le... Un tatouage en persil. Voilà, qui doit bien orienter les premières constatations, ça va être ça, d'abord, la première chose. Est-ce que c'est bien vrai? Ça va venir très rapidement. Et on va essayer de se mettre un peu... Dans la tête du principe, on vient malgré les contradictions. Il répond bien, rétrospectivement, on se dit peut-être qu'il a un peu pensé à ses réponses, mais ça reste incohérent. Si vous êtes votre compagnon, votre compagne disparaît, est-ce qu'on attend 3 semaines pour aller le signaler à la gendarmerie? Ça paraît très étonnant. Vous voyez d'autres incohérences ou pas que celle-là? Un petit callback. Vas-y. Déjà celle de Charlotte, j'ai le vaccin du petit, les fournitures. Hello. Hello. Salut les enfants, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous faites de beau? Tu fais quoi? Nos devoirs. D'accord, c'est de la lecture, c'est quoi? C'est de la lecture. D'accord, et c'est quoi l'histoire? Chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. Mais la vraie histoire ou la... La fausse. La fausse, voilà. Remasterisé. Et ça fait rien dire. Qu'est-ce qui veut rien dire? Mais le conte, ça veut rien dire. Il y a des choses, il se trompe. Par exemple, il dit, je vais, pensait-il, manger cet enfant. Ça veut rien dire, ça. Il va manger cet enfant. Pourquoi dans le conte original, il mange qui? La grand-mère, ouais. Après il veut manger le petit chaperon rouge. Mm-hmm. Ouais. Et Farès, tu fais quoi? Mes devoirs. D'accord. Ok, bon courage les enfants. Tout à l'heure. Voilà, c'est mieux, là on voit bien les petits détails. Tu nous as fait un œuf de Pâques. Coucou, Wemma. Tu fais quoi? Mais je regarde. C'est pas sorcier. Tu peux nous montrer? Ah oui, c'est ce que tu dois faire en classe. C'est sur quoi? Sur YouTube. Non. Sur YouTube, elle a dit. C'est quoi le thème? La cartographie. La quoi?
Cartographie. Cartographie. Ah bon, je préfère. Ah, c'est en train de faire un petit œuf. Je faisais celui-là. Lequel ? Lui. D'accord. On va voir si ça y ressemble. Ouais. Tu crois ? Bah, je sais pas. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure, tu nous montreras le résultat. D'accord. Ok.